Pour découvrir un petit peu Metz, et puis c'est un de mes amis qui m'a fait découvrir le sentier des lanternes. Voilà, donc je suis très content et ravi d'être là. Nous voulions profiter un peu, bon, qu'il fasse pas trop mauvais, pour montrer aux petits les lumières, la féerie de Noël, voilà. Et les journées sont tellement courtes en hiver qu'ici, de voir toute cette féerie de lumières, de couleurs, je trouve ça magnifique et voilà, on aime bien se ressourcer un petit peu dans cette magie de Noël. C'est toujours un plaisir d'emmener les enfants dans la féerie de Noël, quelle qu'elle soit. Donc après, on essaye toujours de faire découvrir aux enfants ce qu'on connaît. Donc là, c'est vrai qu'il y a des thèmes rappels. On a vu Casse-Noisette il n'y a pas longtemps avec les enfants. Ça nous permet aussi de leur faire un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc voilà, ça fait partie de... un peu de la culture. Je suis émerveillée et je me doute que tous les enfants qui vont venir là le soir seront tout surpris, tout ébahis. C'est un endroit comme nulle part ailleurs. Un parc comme ça, c'est super bien. Les enfants peuvent venir, à la limite, ils ne sont pas en danger, c'est tout sécurisé. Il n'y a pas de voiture, c'est au calme, il y a la musique, c'est vraiment plaisant. Les choses qui m'ont marqué, c'est l'entrée avec les lumières qui changent au fur et à mesure finalement de nos pas, sous ces bambous gigantesques. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle entrée pour rentrer dans un autre monde. En fait, on quitte la cité et on rentre dans un monde magique. Oui, le petit train, il est magnifique. Et puis ces gardes dans leur guérite, hein, je trouve ça sympa. Et puis ces arbres avec ces étoiles et tout. Et d'ici, on a une admirable vue également sur la cathédrale qui est toute illuminée. C'est la féerie des lumières, c'est vraiment très 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 joli. Ce petit parc où chaque allée est une aventure, c'est formidable. Vraiment, c'est très beau et très féerique. Et puis doux, il y a de la douceur. Voilà, tout est doux.